Bonjour Dan. Bonjour Patricia. Alors Dan, quelles sont les actualités de Mandarine depuis la fusion avec Mascart AM ? Alors ça fait déjà 9 mois que nous avons fusionné, donc Mandarine a changé de dimension avec cette fusion, parce que nous avons désormais plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 80 collaborateurs, des expertises qui se sont renforcées sur la gestion action, qui est le métier historique de Mandarine. Et avec Mascart AM, nous avons apporté la gestion obligataire et la gestion diversifiée multiclasse d'actifs. Donc la greffe prend bien, les équipes sont désormais réunies dans un nouveau siège, avenue Kléber, et on a continué à investir et à renforcer les équipes, notamment sur la partie de l'investissement responsable avec l'arrivée d'une nouvelle directrice de l'investissement responsable en janvier. Quels sont les produits que vous mettez en valeur sur ce salon Patrimonia 2024 ? Alors là, le produit que nous mettons en avant est principalement un fonds obligataire daté que nous avons lancé il y a 2 mois, qui s'appelle Mandarine Global Target 2030, qui capitalise déjà sur le beau succès de son prédécesseur MAM Target 2027, qui a collecté plus de 300 millions en moins de 2 ans, et qui est un fonds donc, qui investit dans des obligations d'entreprises internationales de catégorie haut rendement, avec la moitié du portefeuille, et c'est l'originalité du produit, investi dans des valeurs et des émetteurs aux US. Ça permet d'avoir un meilleur niveau de rendement. Aujourd'hui, on est à plus de 6,20% de rendement sur la part euro et 7,5% sur la part dollar, tout en ayant un portefeuille très diversifié avec une centaine d'émetteurs et une grande diversification sectorielle. Donc c'est un fonds que nous avons lancé il y a à peine 2 mois et qui a déjà collecté plus de 60 millions d'euros. Bravo. Quelles sont les autres thématiques que vous mettez en avant ? Alors les thématiques action, on a une stratégie sur la transition énergétique et écologique que nous retrouvons via le fonds Mandarine Global Transition, qui est un fonds sur lequel nous avons plus de 500 millions d'euros sur la stratégie, qui accompagne les acteurs de la transition écologique, qui reste une thématique forte, structurelle. 2023 était encore une année record dans les investissements dans la transition énergétique, et c'est un fonds qui a un très bon track record et qui a plus de 14% de performance depuis le début de l'année 2024. Une autre thématique auquel on croit fortement, et nous avons des équipes très, très talentueuses, c'est les small et mid caps. Donc ça fait plusieurs années qu'on attend le retour, on commence à avoir des premiers signaux. On est convaincu que l'amorçage d'une phase de baisse de taux va permettre aux sociétés small et mid caps de rattraper une partie de la sous-performance accumulée ces dernières années. Et une bonne manière de jouer cette thématique au sein de notre gamme est un fonds Mandarine Europe Microcap, qui a également une version internationale, qui permet d'investir sur des sociétés de très petite capitalisation avec un portefeuille très diversifié, tant en termes de sociétés qu'en termes de secteurs. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Dan, et excellent salon Patrimonia. Merci, Patricia.